Bonjour, bienvenue la famille, ça me fait plaisir de te retrouver. Bon dimanche à toi, j'espère que tu as passé une excellente semaine. La semaine dernière, dans la petite vidéo qui apparaît juste là, on avait un sondage pour le premier tuning pour la Nissan GT-R. Et vous avez validé eh bien, le changement de couleur pour du doré. Et je suis content parce que c'était mon choix coup de cœur, pour être tout à fait sincère. Donc vous l'avez validé à une très grande majorité. Du coup, aujourd'hui on va honorer cette parole. À la base, je devais refaire faire les jantes dans la même couleur que d'origine, donc en gris, comme tu peux le voir. Je devais repeindre donc les jantes parce que... Pas bien. Je me suis fait piéger au McDonald's. Je suis rentré dans un drive au McDo, il y avait une espèce d'entonnoir, j'ai pas vu le rebord et j'ai arraché la jante. Heureusement, j'ai pas touché la carrosserie de la voiture. Du coup, d'où est partie l'initiative de refaire les jantes. Et de là, je me suis tapé un délire que vous avez tous validé. On va faire les jantes en couleur dorée. On a choisi un doré bien spécifique, un beau doré, mais avec un léger reflet cuivré comme celui-ci, parce que si je faisais un tout doré, le problème que j'aurais eu, c'était le contraste avec les étriers. On se retrouve pour le verdict final. Vous l'avez validé, vous l'avez demandé. C'est fait. Deux jours après, à la carrosserie Saint-André. Ce que je te propose, c'est qu'on va se mettre une petite musique, histoire de te faire découvrir le résultat. Tu m'en diras ce que t'en penses à la fin de cette petite cinématique de quelques secondes. Mais vraiment... Ah, je suis fier de moi, j'aime bien. Another day and we just trying to make a way now. They hate you growing stronger every single day now. I hear these rappers, they ain't trying to talk about it. They ain't trying to get involved and they would rather catch a wave now. But how cool is the gunplay when the strays will hit the playground, eh? But never mind about that, cause once you make it out, you think this world just don't affect you anymore. Until somebody from your past come back to settle the score like Tupac on September 7th. Si vous cherchez une adresse, carrosserie Saint-André, franchement ils ont fait un super travail. Le rendu est... Moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que t'en penses, fais-le moi savoir en commentaire. Validé ou pas validé? Moi j'adore. Personnellement, je trouve que vraiment le rendu est génial, ça lui va vraiment bien. J'ai l'impression que ça lui donne un effet visuel, je sais pas si t'es comme moi. J'ai l'impression que les jantes sont plus balèzes. Le combo, de toute façon, je savais qu'il était un combo gagnant. C'est original, ça change. C'est pas trop extrêmement tuning, mais en même temps, ça reste super joli et bien personnalisé. Donc, moi perso, je valide. Ça s'annonce bien. La première mutation de la GT-R commence bien. La couleur, elle est juste splendide avec ce petit reflet un peu cuivré. Ça s'harmonise super bien avec les étriers en plus. À l'ombre, c'est vraiment doré. Et dès que tu vas te mettre au soleil, tu as ce petit reflet cuivré. Juste génial. Du coup, ce que je te propose, on va se faire un bon nettoyage de la voiture parce que là, pour le coup, elle en a vraiment besoin. Et puis, on va les kiffer un peu ensemble. Allez, on se retrouve dans la Nissan GT-R. Ah là là, j'ai trop content. J'aimerais qu'on fasse une petite pause pendant cette vidéo. On est dans la Nissan. Et j'aimerais vous parler d'un truc qui m'a allégé en termes de poids. C'est vraiment un super produit que j'utilise maintenant depuis un mois. Et la société m'a contacté pour vous en parler. Bien évidemment, j'ai accepté parce que je kiffe ce truc. Et vous allez pouvoir bénéficier d'une remise sur le produit. Alors en fait, en gros, ça c'est, tu vois, mon portefeuille. Il est passé de ça, seulement ça. J'aimerais te parler du Ridge Wallet. Tu peux choisir dans différentes couleurs. Alors moi j'ai fait le choix, tu vois, de le choisir en couleur dorée, mais tu peux aussi l'avoir en couleur titanium, en carbone et en différentes couleurs comme tu peux le voir à l'écran. Et vraiment, le principe c'est que c'est un porte-cartes qui te permet de transporter toutes tes cartes d'une manière extrêmement compacte et en plus de manière sécurisée, parce que toutes les cartes bleues que tu peux avoir dedans, tu as une protection RFID. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te scanner un contact sans paiement en ayant tes cartes bancaires dedans. Et aussi, le gros avantage, bah, c'est quand tu es en short,
ou que tu te promènes tranquille, bah t'as que ça à transporter, tu vois, t'imagines, c'est tout petit. C'est vraiment génial. Je t'invite à découvrir le site internet, il est dans la description de la vidéo. Tu pourras profiter en allant sur le lien de 10% de remise en mettant le code promo JLC. Et puis n'hésite pas à me taguer en story quand tu auras reçu ton produit et à me faire savoir ce que tu en as pensé. En tout cas, moi je suis vraiment conquis et je suis très honoré que Rich Wallet m'accorde leur confiance pour te présenter ce produit. Sur Insta en vidéo et qu'il la voit en vrai, qu'est-ce que t'en penses? Je te dirais que le rendu en réel est beaucoup plus beau, beaucoup plus joli. Parce que la vidéo ça rend pas du tout. Ouais, ça sort un peu jaune ouais, poussin. Ça sort jaune poussin. Ouais. En vrai, quand t'as la lumière, les beaux reflets que t'as dessus et tout, franchement c'est magnifique. Yes. Parfaitement avec le noir. Ça va aider.